Et bien nous voilà pour l'exercice couché sur le côté en position latérale, un gainage en position latérale, ok? Alors, on va faire attention à la posture de départ. On va allonger ses deux jambes, bien allonger son bras à l'opposé, de manière à ce que entre le bout des doigts et le bout des pieds, on soit complètement aligné. On va venir placer sa hanche comme tout à l'heure et vous allez voir que de ce fait, les deux pieds vont se poser au même endroit, les appuis. On appuie là entre les deux pouces, on appuie sur l'intérieur des talons, vos orteils sont sur le même plan et là on est bien positionné. On retrouve notre planche à repasser ici. Voilà, premier exercice, ça va être la respiration. Donc on est en appui sur sa main, ses omoplates placées, j'inspire dans cette position, je souffle et je vais allonger la jambe pour la décoller. Voilà, j'étire cette jambe de manière à ce que ma planche à repasser, là, il n'y ait pas de pli. Et je reste ici. Sur la prochaine expiration, je vais décoller l'autre jambe. J'ai peut-être besoin d'un petit peu plus d'appui ici. Est-ce que tout va bien? Si ça commence à frétiller et que le corps y fait avant-arrière, on garde la jambe du sol par terre. Et on va monter le niveau au-dessus pour ceux qui sont capables. C'est qu'on va essayer de décoller le bras en tenant ses omoplates de manière à venir allonger son bras parallèle à sa cuisse. Donc l'idée, je continue à expliquer, on garde bien bien allongé la hanche, les deux hanches bien l'une au-dessus de l'autre. On respire profondément, on serre périnée transverse. Et puis on redescend en tirant la jambe de manière à ce que les points d'appui soient toujours les mêmes. Et je repose au sol. On va faire une fois pour montrer ce qui va se passer quand on n'est pas trop habitué au niveau du bassin. D'accord? Donc les jambes se soulèvent. Et au moment où on va soulever le bassin, vous allez voir que vous allez avoir envie d'aller chavirer le bassin. Et bien ça, c'est complètement faux. À éviter. Il va falloir grandir ici, l'espace entre les hanches et les côtes. Très grand, très long. L'objectif, c'est pas de quitter la main du sol, l'objectif, c'est d'être forte ici. Et un jour, le bras pourra s'allonger pour donner l'exercice final. On y va, sur l'expire. Ici, je suis toujours bien grande, j'ai bien baissé mes omoplates, mes pieds sont bien parallèles et je ramène au sol mon bras, mes jambes. Le retour fait partie de l'exercice. Une fois que tout est placé, j'ai le droit de me relâcher. Ok? Eh bien, ça va être à vous maintenant.